Voici le fief des moines de Moissac. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, ils règnent en maître sur cette partie du fleuve. À l'époque, les moines possèdent des terres dans toute la région et taxent tous les passages. Fondée au IXe siècle, leur abbaye forme un ensemble architectural exceptionnel. Le chef-d'œuvre de l'abbaye, c'est son portail monumental. Ce portail, immense, tourné vers la ville, qui ouvre sur la place publique de la cité médiévale, en fait, il s'offre à la population et il offre à la réflexion aussi. Et évidemment, par sa taille, il est un symbole du pouvoir de l'abbaye de Moissac, qui était co-seigneur de la ville avec le comte de Toulouse. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le tympan est considéré comme un témoignage unique de l'art roman. Il s'inspire d'un thème iconographique très fréquent au XIIe siècle, le retour du Christ sur terre. Et il revient triomphant, il trône en bénissant le peuple. Et tout autour, 24 petits personnages, ils portent des rebecs, ce sont les ancêtres des violons, et des coupes dans lesquelles on dit qu'il y a les prières des saints. C'est l'ancienne loi qui voit se révéler le retour du Christ dans toute sa majesté à la fin des temps. Au XIe et XIIe siècle, l'abbaye vit son apogée. Elle est rattachée à l'ordre de Cluny. Derrière l'abbatiale, le cloître, lui aussi classé par l'UNESCO. Ce cloître est exceptionnel de par sa taille. C'est un des plus grands cloîtres qui existent. Aussi parce que c'est un des mieux conservés. Il est conservé dans sa quasi-intégralité. Il est mondialement célèbre, surtout pour l'abondance et la richesse de sa sculpture. C'est le plus ancien cloître historié au monde. Le trésor du cloître, ce sont ses 76 chapiteaux, sculptés en 1100. Ils sont tous différents. Décors végétaux, bestiaires médiévales ou personnages bibliques. Ils racontent des passages des Saintes Écritures. Aux angles de chaque galerie, sur des bas-reliefs en marbre, figurent les apôtres. Piliers de l'église, les apôtres deviennent les gardiens du cloître. Ici, précisément, c'est les deux plus importants pour Moissac. Saint-Pierre, parce que l'abbaye de Moissac est dédiée à Saint-Pierre. Et de l'autre côté, on a Saint-Paul, probablement parce que Cluny est dédié à Saint-Pierre et Saint-Paul. Alors, ils sont représentés chacun avec leur attribut. Saint-Paul est l'épître, puisqu'il a écrit, c'est pour les lettres de Saint-Paul, représenté chauve traditionnellement. Et ici, Saint-Pierre, avec les clés du paradis. L'abbaye est placée sous la protection de ses deux apôtres. Leurs reliques étaient ici précieusement conservées. Elles étaient disposées dans cette petite cavité de ce chapiteau qui figure le martyr de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Mais du coup, ce chapiteau devient reliquaire et l'ensemble du cloître, lui aussi, devient reliquaire de Saint-Pierre et de Saint-Paul.